Une nouvelle mesure pour les conducteurs de mototaxis de la ville d'Edeya. Ils doivent désormais porter des chasubles pour se distinguer des autres conducteurs de moto et surtout de ceux qui exercent l'activité de manière illégale. L'initiative est celle du délégué départemental des transports pour le Nyon-Ekélé. Le reportage d'Ivan Katinken. Les mototaxis qui sont dans la légalité à Ezeka, les voici, habillés en chasubles jaunes. Ils sont une centaine seulement à avoir adhéré à la campagne d'assainissement qui vise à sécuriser le transport en cette période de fin d'année. Il faut que les usagers maintenant apprennent dans leur sécurité de n'emprunter que des motos qui portent une chasuble, dans la simple mesure où ces mototaxis portant des chasubles sont identifiés. Le transport par moto, c'est l'unique moyen de déplacement à Ezeka. Le délégué des transports du Nyon-Ekélé a donc organisé cette campagne qui vise à sortir le bon gré de livret. C'est une sensibilisation que nous avons menée de commun accord avec l'ensemble des mototaximens pour que chacun acquiert son chasuble. C'est ce qui a été fait. À ce jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 qui ont déjà acquis leur chasuble. Ils étaient une centaine à recevoir cette tenue qui identifie désormais le conducteur légal par sa couleur et par son numéro. Tout mototaximen peut l'avoir. Il suffit tout simplement qu'il se fasse identifier avec une demi-carte photo et qu'il donne pour contribution 2000 francs. La couture nous coûte 500 francs chasuble, le flocage 500 et le tissu 1000 francs. Pour les bénéficiaires, le sacrifice en valait la peine. C'est pour éviter la clandestinité. On ne veut plus les mototaximens qui gardent l'incognito, c'est-à-dire qui font le cache, ils se cachent quand ils font des délits et ils fuient. J'aimerais aussi que tout le monde doit avoir le droit de moto et d'éviter le mal à Ezeka dans la ville. Après Ezeka, la campagne de sensibilisation va se poursuivre à Biura avant de s'étendre dans tous les départements de Nyon-Ekélé. Le délégué des transports rappelle d'ailleurs au Ben Skinner de se conformer à la légalité avant que les méthodes fortes ne soient utilisées pour les y obliger. Autre information, ONU Femmes vient d'effectuer un don à Ngam dans la région de la Damawa. Les victimes des violences basées sur le genre et près de 200 réfugiés centrafricaines ont reçu des kits économiques et des équipements qui aideront à leur autonomisation. Tout ceci dans l'objectif, bien sûr, de lutter contre les violences entre les communautés et améliorer leurs conditions de vie. Le compte rendu